Alors, je suis en train de fabriquer des Pokéballs. Et regardez, ah, ça j'ai lancé le record, mais juste pour ça, parce qu'il y a pas mal de choses que je voulais faire hors enregistrement, vous le savez maintenant. Et regardez le Dracaufeu, alors qu'il est sans doute Shiny ou Mega ou je ne sais quoi, qui passe juste au-dessus de moi. Il me survole, il se dirige vers le village. Je voulais absolument vous le montrer. C'est un boss, il est rare. Pas si rare, parce qu'en fait, on n'arrête pas d'en voir depuis le début. Je sais pas pourquoi. Peut-être une question de réglage un peu foireux, en tout cas, c'est magnifique. Et je voulais absolument vous partager ça. Je sais pas ce qu'il fait. Il va visiter son petit village là-bas. On devrait l'appeler comme ça, le village. Dracaufeu City. C'est superbe. Voilà, je retourne à mes petites affaires. Donc je suis là tout simplement en train de. Et je vous ai pas dit bonjour, mais bonjour à tous. Je pensais pas enregistrer tout de suite. Bonjour à tous, je suis en créatif, je suis en train de fabriquer des Pokéballs. Que vous dire? Oui, pas eu beaucoup d'épisodes la semaine dernière. J'ai eu très peu de temps, vous le savez, j'en ai parlé. J'étais au Bordeaux Geek Festival, entre autres choses. Ça m'a pris pas mal de temps. J'ai rencontré certains d'entre vous, c'était super. J'en suis très content. Un Rattata ou un Ratatak? Je ne sais pas lequel des deux est en train de. Eh oh, tu ne touches pas. C'est un Ratatak. Et tu ne touches pas à mes cultures. Je suis donc en train de cuire, voyez, des Pokéballs. Je fais tout de manière légite, mais j'ai rencontré certains d'entre vous au Bordeaux Geek Festival et vous m'avez dit que, bien, la tâche était ardue, que j'avais mis la barre très haut avec cette série et que c'est vrai qu'entre la capture, la fabrication des Pokéballs, la fabrication du zoo, ça allait être extrêmement compliqué d'arriver au bout de cette aventure et que la plupart des épisodes, eh bien, ne proposaient pas grand-chose et que je n'avançais pas. Et il faut dire autre chose, c'est que finalement, hors enregistrement, je vais pas avoir beaucoup de temps et je vais pas avoir beaucoup d'heures à consacrer finalement à cette série. Je vais pas pouvoir me permettre de prendre des après-midi entières pour fabriquer un zoo, fabriquer des choses en créatif hors enregistrement. Alors, je ne sais pas du tout quoi faire? Je suis perdu total. Je me demande si j'ai pas mis la barre trop haut. Là, je suis en train de continuer. Vous voyez, j'enregistre et puis je fabrique ces Pokéballs. Ça va me prendre un temps fou. Là, j'en ai pour 1 heure rien qu'à faire ça. Et malheureusement, je vais manquer de temps et j'en prends conscience actuellement. J'ai pas de regret de m'être lancé là-dedans. Je ne sais pas si je vais pouvoir poursuivre. Je suis prêt à tout entendre en ce qui concerne vos propositions. Est-ce qu'il faudrait pas que je sois aidé? Est-ce qu'il faudrait pas mettre ça sur un serveur? Est-ce qu'il faudrait pas être plusieurs? Est-ce que je sais pas. Voilà, à réfléchir en sachant que moi, là, je suis paumé. La fabrication des Pokéballs va prendre du temps. Donc je vais y retourner, je reviens vers vous dès qu'elles sont prêtes, parce que l'idée de cet épisode aujourd'hui, eh bien, c'est de partir ensemble, chasser du Pokémon exclusivement. Je veux en attraper un maximum pour bien commencer à fabriquer ce zoo, c'est l'idée. Voilà, donc certains d'entre vous me l'ont dit. Fais tes Pokéballs, à la limite tu t'en gives, tu t'en fous, tu les prends en créatif, ne les fabrique pas, ça va te prendre trop de temps. Alors à ce moment-là, est-ce qu'on part sur du full créative, avec de temps en temps des expéditions pour trouver des Pokémon et les attraper quand même? Je sais plus, là je suis paumé. J'aurais peut-être dû mieux réfléchir avant, je vous le dis, hein, direct, autant être franc. Je ne compte pas arrêter cette série, je cherche à la faire évoluer, et c'est l'idée. Je l'ai dit dès le départ, cette série est amenée à évoluer, à changer, à être modifiée, on a viré la survie. D'ailleurs, une série survie devrait arriver. Mais ça, j'ai déjà dit, voilà, j'ai perdu assez de temps. Et puis voilà, je peux pas faire des épisodes plus longs, et plus réguliers, et plus souvent. Donc voilà, je suis paumé, j'attends vos retours là-dessus. Je reviens dans quelques minutes, le temps de finir ces Pokéballs. Et je suis à vous pour la suite de cette aventure. Oh là, oh là, oh là, oh là. Je suis envahi de cravi, je suis toujours en train de fabriquer mes Pokéballs. Et là, alors je sais pas ce qu'ils ils se battent entre eux. La plage sur laquelle je me trouve, enfin je suis pas loin d'une plage, est infestée de petits crabis. Je vais peut-être en attraper un, ce que je suis en train de me dire. Level 15. Celui-là est level 24. Ou est-ce que j'en attaquerai pas un? J'hésite. On va essayer d'attraper celui-là. Ah, peut-être qu'une Pokéball classique aurait suffi. Ah, il s'est échappé, l'enfoiré. Allez. Allez, 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 je te tiens, je te tiens, je te. Oh, l'enfoiré. Allez. Yes, un Krabi. Parfait, Pokémon de plus. Voilà, en fait, je vais filmer de temps en temps, selon ce qui se passe. Je suis loin d'avoir terminé. Pour le moment, vous le voyez, regardez. Attendez, je vous montre ça. J'ai modelé quelques hauts de Pokéball un haut d'Hyperball, j'ai un haut de Love Ball, j'ai un disque de Love Ball que je dois
encore travailler sur l'enclume, sauf que mon marteau vient de casser, il faut que je me refasse un petit marteau. Enfin voilà, j'avance tranquillement, je suis loin d'avoir fini, ça prend du temps. Mais de temps en temps, quand il se passe un truc, eh bien je filme. Voilà comment va se passer cet épisode. À tout à l'heure, on attrape un Krabby, c'est une bonne nouvelle. Krabby niveau 24 en plus, c'est pas si mal. Bon, bah écoutez, je continue ma fabrication de Pokéball, je viens d'en ramasser à nouveau d'autres dans mon champ de noix-grumes. Enfin, je viens de ramasser des noix-grumes dans mon champ, et là je suis en train de préparer les bases inférieures des Pokéballs. Celles-ci sont en aluminium, j'en ai juste 22 encore à former, à marteler comme ça avec mon petit marteau en fer. C'est long, c'est fastidieux, mais c'est comme ça, il faut bien le faire. Pour le moment, je le fais de manière, on va dire, légite, hein. Je suis en créative, mais je le fais réellement. La question est-ce que je vais continuer comme ça? J'en sais rien. Je sais pas, ça fait déjà une demi-heure que j'y suis. Peut-être un peu plus, 45 minutes. Alors je me pose beaucoup de questions sur l'avenir de cette émission. Ah, il faut que ça continue, je veux absolument voir un zoo avec des Pokémon. Mais est-ce que finalement, ça vaut le coup de faire tout ça en survie? J'en sais rien, je suis paumé, je vous jure, je suis paumé. J'ai besoin de vous, absolument. Oh la vache. Bon, allez, je continue et puis bah, dès que j'ai terminé, je relance cet enregistrement que je vais arrêter bien tout de suite. Allez, à tout à l'heure. Ça va vous? Moi je forge, j'en ai marre, j'arrête pas de forger. Bon allez, je termine et je reviens vers vous, il me reste plus que 6 bases en aluminium à faire, j'y suis presque, à tout de suite. Terminé, ça y est, j'ai terminé. J'ai fait tout ce que je pouvais en matière de Pokéball, en fonction de ce que j'avais sur moi, et bah, j'en peux plus. J'ai fabriqué, regardez, donc, on a 7 Pokéball, 4 Hyper Ball, une Super Ball, je vais les mettre dans l'ordre, une Love Ball, et une Honor Ball. Je sais pas exactement à quoi ça sert. Alors je crois que la Love Ball, il faut... c'est pour attraper des Pokémon qui sont du même genre que les Pokémon que j'ai de mon côté, alors peut-être le même genre que Arco ou Coxy, je sais pas trop, enfin voilà, en sachant que Arco, j'ai pas beaucoup d'informations sur lui, je dois vous l'avouer, et je le dis, hein, je suis nul en Pokémon, j'y connais pas grand chose, et vous allez trouver ça assez hallucinant, dans le sens où je me suis lancé dans cette aventure en étant finalement un néophyte en la matière, vous l'avez vu bien entendu, et pensant que j'allais pouvoir apprendre. Or, je me suis jeté sur le wiki du mode Pixelmon, et il est d'une richesse folle, j'ai essayé de le parcourir tout à l'heure et encore il y a quelques jours, et franchement je sais pas du tout ce que je vais pouvoir faire avec cette série, ça devient ouf. Voilà, je vous le cache pas, je vous le dis, je veux pas abandonner, mais je me rends compte que la tâche est juste trop grande, et là j'en ai tellement marre d'avoir fabriqué ces Pokéballs pendant pratiquement une heure, ça a été fou, que je vais aller me promener en votre compagnie et tenter de capturer d'autres Pokémon, au moins un, ce serait pas mal, et plus si affinité. Alors je sais qu'il y a des serveurs, hein, Poké Pixelmon qui existent. Ce sera intéressant peut-être d'aller jeter un œil un jour. Faut pas que je me perde. Ce que je suis en train de me dire, c'est derrière moi. Tout simplement. On va essayer de trouver des Pokémon. J'aurais peut-être dû aller me balader de l'autre côté. Parce que c'est toute une zone qu'on connaît bien. Ouais, je vais faire ça. On va plutôt partir en face. Par là-bas. Là où je connais moins. Oui, donc je sais d'avance que certains d'entre vous vont dire « Mais quel dommage !» Alors ça, je sais plus ce que c'est. Il me semble, enfin si, il me semble en fait avoir lu qu'il s'agissait de... Voilà, c'est ça, de termitières. Très bien, ça c'est parfait. En fait, c'est des endroits où je vais pouvoir récolter énormément d'insectes. Donc de nourriture. Des termites, essentiellement. C'est une très bonne chose. En fait, je me rends compte aussi que je suis plus à l'aise dans la survie et dans la création aussi, mais c'est vrai que Pokémon Zoo, eh bien, j'ai vu très très haut. Alors, peut-être que j'aurais dû y réfléchir avant, c'est ce que vous allez... Voilà, c'est là où je voulais en venir. Certains vont dire ça, ouais, mais il fallait penser avant, tu te doutes bien que... Effectivement. Je suis parti un peu la fleur au fusil, sans avoir conscience de la tâche qui allait être la mienne avec cette série. Sachant qu'au départ, moi, c'est quand même la survie qui me plaît. Les Pokémon aussi, ça j'adore. Mais là, je pensais que ça allait être aussi simple que de jouer à Pokémon Go. Je vous le dis, hein, direct.
Or, loin de là, c'est extrêmement complet et compliqué. Pixelmon est un mode qui est d'une richesse ahurissante que je vous conseille vivement. Vous avez peut-être pu découvrir finalement grâce à moi. Et si c'est le cas, bah, c'est une très bonne chose. On va aller par là, parce que là, on ne connaît pas. Est-ce qu'on se les tenterait pas les deux, là? Bonjour. Vous pouvez pas atterrir, s'il vous plaît, ça me faciliterait la tâche. Parce que là, j'ai pas beaucoup de Pokéball. Excusez-moi, messieurs. Les étourneoles. Étourvol, pardon. Pff. Arrêtez-vous, s'il vous plaît. Non, mais non. Ok, on verra plus tard. Donc voilà, je vous l'ai dit, je vous le cache pas. Je suis paumé avec cette série. Qui me plaisait, enfin qui me plaît, c'est pas l'idée, mais je me rends compte que je n'ai absolument pas le temps de mener à bien un tel défi qui est celui, alors bah si, en créatif à la limite. On a un biome qui est un petit peu différent là-bas, j'ai l'impression, on va aller voir. Et j'ai vu un Pokémon sauter, voilà, c'est peut-être un petit lapin. Non, c'est ça. Un Dynavolt niveau 11, écoute, on va se le tenter. Bonjour, Pokémon. Dynavolt, ça doit être un Pokémon électrique. Non, non, je veux pas me battre, je veux juste t'attraper. Voilà. Alors, je tente la Super Ball sur lui. Merde. Ah, combat, c'est parti, ok. Cher Colomar, je te confie ce combat. Mène-le à bien. Attaque météore. Bah, ça n'a pas été long. Très bien. J'aurais préféré l'attraper. C'est comme ça. Alors, c'est quelque chose qu'on peut désactiver. Je prends tout. On peut tout à fait désactiver le fait que les Pokémon nous attaquent. Ce serait peut-être pas plus mal. Oh, bon, là, c'est beaucoup trop pour moi. Magnifique. Un Florizarre. Si je dis pas de bêtises. Pour changer. Je pense pas. On a un magnifique Florizarre. Et un Ponyta. Non, même pas. C'est l'évolution de Ponyta. Ah, c'est ouf. Un Galopa, niveau 45. Alors là, je sais pas. Je sais pas. Et un Florizarre qui est donc un boss rare. Vous feriez quoi à ma place? Je sais pas. Est-ce qu'on essaie d'attraper un Florizarre rare? Ou est-ce qu'on l'attaque? Je tente le Norball sur le Florizarre. Oui, je ne peux pas attraper les boss Pokémon. On va tenter d'attraper celui-là, par contre. Ça, c'est évident. Allez. Pourvu que ça marche. Pourvu que... Non, évidemment, ça ne marche pas. Galopa s'est libéré. Est-ce qu'il faut que je... Il faudrait pas que je l'attaque d'abord. On va le tenter. Je vais tenter une attaque. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai libéré quelque chose en appuyant sur une mauvaise touche. Arco est incapable de se battre. Ok. C'est pas Arco que je veux faire se battre. C'est lui. Allez, Krabby. Krabby contre Galopa. Le Galopa est pas très beau. Étrangement. Alors, le mode est pas encore complètement terminé. Je sais pas où tu pars. Reviens. Mais il est con. Je l'ai envoyé au combat, mais non, il est parti. Ah, attendez, on va prendre plutôt le Colomar. C'est parti. Allez, attaque Galopa. Allez, Colomar, je t'en prie. Fais-le. Pourquoi il veut pas? Je veux qu'on attaque Galopa, qui est juste là. Allez. Alors, quand je veux pas que vous vous battiez, vous vous battez. Et quand je veux... Qu'est-ce que c'est en haut à droite? Regardez, fourrage. VG. G. Non, je peux rien faire en appuyant sur la touche G. Je sais pas du tout à quoi correspondent les touches que j'ai en haut à droite. Écoutez, je vais tenter une Hyper Ball sur lui, tout simplement. Non, ça n'a pas marché. Ah! Il y a plein de petites choses que je ne comprends pas, qui ne fonctionnent pas vraiment bien. C'est assez déstabilisant. Je ne vous le cache pas. Colomar, tu veux pas... Ah! On se bat contre le Galopa, tu as intérêt d'assurer. Tu n'es pas en grande forme. Au pire, on lui fait juste... Et j'ai encore perdu la tête. On lui fait juste perdre un petit peu de vie. Et je tente de l'attraper. Combat. Allez, fais-lui une force poigne. Ah putain. Galopa, pardon pour le gros mot, mais Galopa a utilisé... ça a fait très mal. Hein. À Colomar. Allez, encore un petit coup. Je continue. Je vais aller pas jusqu'au bout parce que je veux pas... Je veux pas tuer Galopa, je veux juste pouvoir l'attraper. Alors que la nuit est en train de tomber et que le Florizarre est en train de s'approcher étrangement de moi.
Colomar est pigé dans un vortex de feu. Mon pauvre, on peut pas voir ça, c'est dommage. Ça, c'est pas très bien foutu. On se rend compte que le mode est pas parfait. J'entends un combat. Allez, météore. Wow, Colomar en prend plein la figure. Et c'est pas très efficace tout ça. Blessé par Danseflamme. Alors là, je vais tenter. Sac. Soin. Pokéball. On va tenter une hyperbole. J'envoie une hyperbole. Je suis en attente. Est-ce qu'on va attraper le Galoppa? Ce serait énorme. Vous avez capturé Galoppa! Yes! Ah, ça fait plaisir. Votre Colomar a gagné 1851 points d'expérience, ce qui n'est pas rien. Et la nuit est tombée, on ne voit plus rien. Je ne peux... On a un Galoppa, niveau 45. C'est énorme. Je suis très content. Je suis très content, je ne vous le cache pas. Qu'est-ce que t'en penses, Florizarre? Est-ce que tu es content? Et franchement, ça c'est le Pokémon qui a l'air... Pardon, excuse-moi. Qui a l'air... Il est content, regardez. Bah oui, il est ravi. Ça aurait été énorme qu'il fasse un petit son, le Colomar qui baille. Le Florizarre qui baille, ça aurait été génial. Je suis heureux moi-même. Hop, aïe, je m'en fais mal en sautant. Très content de cette capture. Très content de cette capture. Et voilà, vous le voyez, l'épisode doit faire déjà une bonne demi-heure. Et je vais être contraint de l'arrêter. Et c'est ça, alors, je vais continuer un petit peu. Malheureusement, c'est ça le problème. C'est que je n'ai pas de temps, en fait, par rapport à mes autres activités, de consacrer autant de temps qu'il le faudrait à cette aventure. C'est un gros regret. C'est un très gros regret de ma part. J'ai besoin de vos conseils, votre aide, de vos attentes. Réellement, vous savez à peu près ce que je peux fournir en termes de vidéos, c'est-à-dire grand... Qu'est-ce qui se passe? Alors, moi, je veux bien... Je veux bien que mon ventre fasse des grouics. Je veux bien avoir faim. Mais de là à entendre ce qu'on vient d'entendre, j'ai l'impression qu'un tremblement de terre se prépare. J'ai entendu gronder le sol. C'était tout juste effrayant. Est-ce que je peux... Je me demande si je peux encore capturer des Pokémon. Et si je les capture, qu'est-ce qu'ils deviennent? Je me demande aussi ce que c'est que ça. Dynavolt, un item. J'en ai un autre. J'ai un Coxy, je crois, dans un coffre. Je sais pas du tout à que ça... Écoutez, je tente. Je vais tenter d'attraper ce petit Ratatak. Ou plutôt le Morillon. Le Corillon, pardon. J'ai lu Morillon. C'est Corillon. Bon, on va se battre, écoute. Allez, petite attaque météore. Ah mince, je l'ai éclaté. je voulais l'attraper, je suis désolé. Bon, au moins Colomar gagne des points d'expérience. C'est pas plus mal. Je prends tout, évidemment. Voilà, la tâche est compliquée. Pourtant, j'avais essayé le mode. Hein. Or, et j'ai pas envie de faire des épisodes où je passe mon temps à me plaindre à chaque fois de la difficulté, de la longueur, du fait que je connaisse pas tout, du fait que je manque de temps. Donc, il faut vraiment que je trouve une solution. Parce que je veux absolument finir cette série que j'ai commencée. Je ne souhaite pas l'arrêter. Attrape-moi ce Ratatak qui m'énerve. Allez, allez ma ball. Attrape-moi ce Ratatak. Ouais, évidemment. Allez, on va essayer avec celle-ci. Ratatak, tu es à moi. Ah. Il veut pas. C'est de la folie. Allez. Ouais, cette fois-ci, c'est bon quand même. Je lui envoie une hyper ball. Non, il veut vraiment pas. Sur un Ratatak, quoi. Je suis deg. Bon écoutez, je vais abandonner, je vais pas le poursuivre comme ça pendant 1000 ans. Qu'est-ce que c'est là-bas? Oh là, il y a un combat. Je vais... Ah! Cornerbre. Eh ben, je vais me battre. Sachant que ça, c'est un des Pokémon que je connais un petit peu et que je déteste dans Pokémon Go. Espèce de corneille avec un chapeau de sorcière. Alors là, on avait un combat par ici. J'entends encore que ça se bat, mais où? Je ne vois rien, ni personne. Ohé! On va grimper en haut de cette montagne. Ouais, toujours éclair avec la sainte pelle. Ça n'a pas changé. J'ai viré certains modes, mais malgré tout, la pelle continue d'illuminer la nuit et de m'éclairer dans le noir. Pour des raisons que je n'explique toujours pas. Ça, je prends. Un noigrume, c'est toujours bon à prendre. Ok, donc là, on peut dire que je suis définitivement perdu
dans la montagne, car je ne sais plus du tout. Moi, ça doit être derrière moi. Je ferai demi-tour. Je vais vous laisser là. On va arrêter maintenant de se poser. Enfin, je vais essayer d'éviter de faire des épisodes à l'avenir où je me pose beaucoup de questions sur la continuité de cette série, de comment la gérer, comment la faire. J'attends vos commentaires. Je les lirai. Je prends des décisions en conséquence. Je n'ai pas envie d'arrêter. Si malgré tout je vois que je suis incapable d'assumer cette série, eh bien je prendrai les dispositions qui se doivent. En l'occurrence, pour le moment, j'espère pouvoir continuer, mais je me rends compte que le temps va clairement me manquer. J'ai en tête peut-être l'idée d'un serveur qui pourrait être ouvert et sur lequel plusieurs personnes pourraient venir s'amuser s'ils le veulent à construire ce zoo, et moi je viendrai de temps en temps mettre ma main à la pâte, filmer, faire des épisodes. Ça peut être une idée. Ça peut être une idée, et pourquoi pas. Voilà, à réfléchir. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Il y a une nouvelle série qui va arriver, qui va pas me prendre autant de temps que celle-ci, bien entendu. Je pourrais pas me permettre, sur Minecraft, qui sera une série survie, qui s'intitule X-Cube, mais vous verrez, ça sera relativement différent de ce que vous avez connu il y a quelques années, qui s'appelait aussi X-Cube. Voilà, je vous laisse là-dessus, réfléchissez à tout ce que je vous ai dit. Je vous adore tous, à très bientôt, ciao.